Sophonie chapitre 3, le verset 9. Sophonie chapitre 3, le verset 9. Pour ceux qui ont la BGC, c'est la page 587. 587. Voilà. Sophonie chapitre 3, le verset 9. Et voilà. On pourra même aller jusqu'au verset 10. Là, c'est Adonai qui s'exprime. Alors, je transformerai les langues des nations en des langues pures, afin qu'elles invoquent tout le nom de Yahweh, pour qu'elles le servent d'un commun accord. Mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Cush, à savoir la fille de mes dispersés, m'apporteront mes offrandes. Voilà. Et Dieu s'adresse bien sûr à son peuple. Et dans d'autres versions, il est dit je donnerai. En fait, ça, c'est pas la vraie, n'est-ce pas, traduction. Parce que le mot hébreu ici signifie vraiment transformation, transformer, changer, d'accord, et non donner. Donc, il est question de la transformation, bien sûr, des langues, du langage. Et lorsque Dieu parle de la transformation des langues ici, mes amis, il parle forcément de la transformation des cœurs. Parce que Yeshua disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc la réforme présente, la réforme actuelle est une réforme qui met l'accent sur la transformation des cœurs. Voilà. Donc pendant des années, le christianisme, mes amis, et jusqu'à ce jour malheureusement, le christianisme a mis l'accent sur les apparences, a mis et met l'accent sur les apparences, donc des beaux bâtiments, des beaux accoutrements. Voilà, des belles fringues, tout ça, et on connaît donc toute cet appareil, mes amis, toutes ces traditions qui élèvent le côté extérieur de l'homme. Les apparences, n'est-ce pas que Yeshua, Dieu, dans la Bible, a dit au prophète Samuel, Yahweh ne regarde pas, n'est-ce pas, aux apparences, parce qu'il frappe le regard, mais il regarde au cœur. Voilà, donc, et le christianisme, et ça vous le savez, le christianisme est cette religion qui met l'accent sur les apparences. Et vous n'êtes pas sans savoir que à l'heure actuelle, la majorité de nos assemblées mettent l'accent sur les apparences. Voilà, donc je veux dire, un frère qui vient prêcher l'évangile, je prends un exemple, un frère qui paraît simple, qui vient une sœur qui vient prêcher l'évangile, cette personne va être rejetée. Parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est chinoise, parce qu'elle est indienne. Voilà, donc, alors que Dieu, mes amis, est celui qui met l'accent sur l'intérieur. D'accord? Donc, regardez bien Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il était devant les foules, il parlait en parabole. C'est quand il était à la maison, n'est-ce pas, dans la maison donc où il logeait, ou dans n'importe quelle maison où il avait l'habitude d'y aller, c'est là qu'il expliquait, n'est-ce pas, tous ces mystères, les mystères du royaume. Et il les expliquait particulièrement à ses disciples. Ça veut dire quoi? Les disciples sont ces hommes et ces femmes qui connaissent l'intimité de Dieu. D'accord? L'intimité. Parce que, vous voyez, un seul passage ici nous ouvre la voie à plein d'autres, n'est-ce pas, passages, et donne sur plusieurs autres passages. Yeshua dit ici, Dieu dit qu'il va transformer les langues. Pourquoi? Parce que, Dieu, mes amis, dans Genèse 11, à cause de la rébellion humaine, à cause de la rébellion des hommes, parce qu'ils voulaient tous construire une tour dont le sommet toucherait le ciel. Ils voulaient construire une ville, n'est-ce pas, la Babylone la Grande. Dieu va confondre leur langage.
Dieu va confondre les langues des hommes. Et c'est là qu'il y a eu justement la division. La division est née suite à cette confusion linguistique. Donc nous sommes dans Genèse 11, bien sûr. Et ces hommes et ces femmes qui parlaient tous le même langage, la même langue, se retrouvent avec des milliers d'autres langues qu'ils n'avaient jamais eu à parler. Ah, donc du coup, ils ne pouvaient plus s'entendre et il y a eu la confusion totale. Et cette confusion, n'est-ce pas, a amené, bien sûr, la séparation, la division, la dispersion. Et du coup, ceux qui parlent la même langue, ceux et celles qui parlaient la même langue, pardon, s'étaient retrouvés en groupe, en communauté, n'est-ce pas, pour former par la suite des cités-États. Hein? Donc, des pays, des royaumes, des empires. Voilà. Et alors, faut comprendre ici qu'il y a plusieurs types de langues. Il y a les langues qu'on appelle des langues vernaculaires ou des langues usuelles ou encore des langues humaines, telles que le français, l'arabe, l'anglais, le lingala, l'hébreu, tout ça. Il y a aussi, n'est-ce pas, le langage monétaire. D'accord? Donc, le langage monétaire, c'est-à-dire on peut parler plusieurs langues, on peut être dans un groupe où chacun a sa propre langue, sa langue maternelle, et avoir tous le même langage, c'est-à-dire monétaire. C'est-à-dire avoir cette vision qui tend vers l'enrichissement personnel et aimer l'argent plus que Dieu. D'accord? L'amour de l'argent. L'adoration du Dieu Mammon. Et là, justement, mes amis, Dieu, quand il va s'adresser à Sophonie, les langues étaient toujours quelque chose qui divisait les hommes. D'accord? Et Dieu dit qu'un temps allait venir où il allait lui-même transformer ces langues, justement. Pourquoi? Il est question des langues des nations en des langues pures. Alors, bien sûr, dans nos langues, nous avons des mots, hein, des expressions, qui sont, mes amis, amoraux, hein, des langues et des expressions, des langages, tout ça, dans nos langues, qui sont amoraux, qui sont destitués de toute moralité. Et des propos qui encouragent, bien sûr, au péché. Et Dieu promet, justement, de transformer d'abord les langues des nations en des langues pures pour que ces nations invoquent son nom, premièrement. Et deuxièmement, pour que ces nations le servent Dieu. Donc, nous comprenons ici que nous ne pouvons pas véritablement invoquer Dieu si nos langues ne sont pas transformées, si nos cœurs ne sont pas transformés au préalable. Nous ne pouvons pas véritablement servir Dieu si nos cœurs ne sont pas transformés. Et comprenez ici, Dieu n'a pas dit que ce sont les églises qui allaient transformer ces langues. Dieu n'a pas dit que ce sont des pasteurs qui allaient transformer ces langues. Dieu n'a pas dit que c'était des apôtres, des docteurs qui allaient transformer ces langues. Dieu a dit, c'est lui-même et lui seul qui allait procéder à ce travail. Et ça, c'est terrible. D'accord? C'est terrible. Donc, parce que Dieu veut que chacun l'adore dans sa propre langue. Et voilà pourquoi, quand Yeshua est venu, il a préparé les 12 apôtres, il a préparé par la suite les 120 autres disciples. Et dans Acte 2, l'Esprit de Dieu va descendre et va procéder à la transformation des langues. Voilà que la diversité linguistique qui était à la base des divisions, de la dispersion, hein, donc des nations, cette diversité linguistique va être, n'est-ce pas, l'élément pacificateur, unificateur, qui va unifier, qui va bâtir, qui va construire, qui va rassembler, mes amis, les Juifs de la diaspora. Ce jour-là, dans Acte 2, on nous dit que les Juifs du monde entier, les Juifs pieux,
Il y avait aussi des craignants de Dieu, c'est-à-dire des hommes et des femmes issus des nations qui avaient embrassé, n'est-ce pas, embrassé, pardon, et, embrassé, pardon, la foi juive, qui avait accepté la foi juive. Et ces hommes et ces femmes étaient là dans Jérusalem ce jour-là. Et on nous dit que cette église-là, justement, est née avec 120 langues. C'est très significatif. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a fait naître son corps avec 120 langues différentes. Ça veut dire quoi? Nous savons que dans les textes hébraïques, dans les Écritures, les lettres, les chiffres ont leur importance. Nous savons que le chiffre 12 est le chiffre du fondement. D'accord? Voilà, il y a 12 fondements donc sur lesquels est bâtie la Nouvelle Jérusalem. Hein? Donc il y a 12 apôtres, il y a 12 tribus d'Israël, et il y a 24 anciens. Donc voilà, 12 pour Israël et 12 pour l'Église. Vous voyez, donc 12 pères, 12 noms, des 12 apôtres, tout ça. Voilà. Donc nous voyons que 120, les 120 disciples avec lesquels l'Église est née constituent, mes amis, ce fondement, ces 120 langues, pour confirmer cette parole de Sophonie 3, que Dieu allait transformer justement les langues. Et mes amis, nous l'avons, cette prophétie s'est accomplie en grande partie dans Acte 2 il y a 2000 ans. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue du ciel. C'est l'onction divine qui vient du ciel, qui est venue du ciel et qui a transformé ces langues. Vous savez, une personne qui a sa langue transformée, son expression, sa langue, parce que la langue, quand on parle, hein, donc c'est aussi la parole qui sort de notre bouche, donc de notre cœur, donc c'est le cœur qui est changé, c'est la parole qui sort avec autorité. Et une telle personne dont la langue est transformée, le cœur est transformé, mes amis, quand elle s'exprime, les maladies obéissent. Au nom de Yeshua, bien sûr. Quand elle prêche, des cœurs sont touchés, sont transformés. Une personne dont, mes amis, le cœur est transformé, la langue est transformée, c'est une personne, quand elle va s'exprimer, ceux qui l'écoutent, ceux et celles qui l'écoutent, forcément vont être transformés. Et Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur la doctrine, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et donc, Sophonie a vraiment reçu des choses terribles. Et on nous dit au verset 10 qu'il est question des adorateurs. Donc, ce ne sont pas les langues de tout le monde. Ça veut dire que Dieu, mes amis, a placé dans chaque nation ses adorateurs. Chaque jour, chaque seconde, le trône de Dieu reçoit des adorations dans toutes les langues, mes amis, que le monde connaît. Chaque seconde, mes amis, il y a plusieurs, il y a des langues, il y a plus de 3000 langues dans ce monde. Donc, imaginez chaque seconde, Dieu entend plus de 3000 langues, des dialectes, et n'en parlons même pas, et par seconde. Et il comprend les besoins de chacun de ses adorateurs, et il répond à chacun selon ses besoins. Amen, amen, Quel Dieu, mes amis, avons-nous? Waouh! Et ça existe depuis des milliers d'années. Mes amis, il est vraiment trop fort, notre Dieu. Vous savez, la transformation, regardez la transformation de la langue de Moïse. Moïse était un bègue. Moïse bégayait. Moïse ne pouvait pas se tenir devant les gens pour parler. N'est-ce pas? Tellement que Dieu l'avait brisé. Dieu avait brisé sa langue. Pendant 40 ans, Dieu l'a transformé. Et Dieu lui dira, va et parle maintenant. Alors, le langage de Moïse était quoi? C'était un langage, le langage des miracles. Voilà quand une langue est transformée. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas, hein, n'est pas basée sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance. Vous voyez, c'est ce que Élie a fait également. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour déblatérer des choses. Ils s'expriment et leur parole est accompagnée des choses. Voilà pourquoi il est dit que Dieu accompagnait sa parole. Regardez Dieu lui-même quand il parle, mes amis, les choses se créent, se manifestent. Et c'est vraiment Dieu qui transforme, mes amis, les langues, nos langues. Et les nations, mes amis, ne peuvent être transformées que par Dieu lui-même. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Et Dieu dit, mes adorateurs qui sont au-delà des fleuves de Cush. Alors, Cush, ici, c'est l'Éthiopie. Donc,
Et je voudrais aussi vous dire que il est question ici, mes amis, à la fois d'Israël et aussi de l'Afrique, hein, des nations, bien sûr. Et là, on parle des nations et on mentionne aussi l'Afrique, Kush, l'Éthiopie. Hein? Donc, Dieu pense aussi à l'Afrique. Voilà pourquoi je voudrais dire aussi aux Africains ce soir, mes amis, Dieu va transformer, alléluia, l'Afrique au nom de Yeshua. Alléluia. Et Dieu dit qu'on va lui apporter des offrandes. On peut pas, Dieu n'agrée pas les offrandes qui sont apportées par des gens dont les langues ne sont pas transformées. Voyez? Dieu veut des offrandes des hommes et des femmes dont les cœurs sont transformés. Et je disais que quand une personne a sa vie transformée, et cette personne-là manifeste l'onction véritable. Alors, vous avez de plus en plus des gens, vous avez des gens qui vont vous dire, mais oui, l'onction ne sauve pas. C'est faux, l'onction sauve. L'onction sauve. Ça, c'est juste une parenthèse. Il y aura un enseignement là-dessus. Mais pour vous montrer que l'onction sauve, mes amis, nous prenons juste Ésaïe 61. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. Hein? Donc, l'onction sauve. Parce que ceux qui sont jaloux, ils vont dire, non, mais suivez pas l'onction. L'onction ne sauve pas. L'onction sauve. Nous sommes dans Ésaïe 61. Alors, nous sommes bibliques, n'est-ce pas? Nous voulons la parole. Ok. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint, pourquoi? Pour évangéliser. D'accord? Pour évangéliser les malheureux. Deuxièmement, il m'a envoyé, pourquoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, guérir, c'est aussi sauver. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Donc, quand on dit que l'onction ne sauve pas, c'est du mensonge. L'onction sauve. Pour proclamer aux captifs la liberté. Mais un prisonnier qui recouvre la liberté est un prisonnier sauvé. D'accord? Donc, voilà. Et aux prisonniers, l'ouverture de la prison. Donc, ils sont sauvés. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est toujours dans le message, hein? La transformation des langues. Voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? N'est-ce pas? Pour publier une année de grâce de Yahweh. La grâce est salutaire. Donc, on ne peut pas sauver les gens sans la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, nous dit. C'est la source du salut. Hein? Donc, nous sommes sauvés par grâce, nous dit la parole de Dieu. Donc, l'onction sauve. Alléluia. Et pour consoler, hein? Et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui mènent deuil. Donc, voyez, mes amis, la parole est claire. Hein, l'onction sauve, donc il faut qu'on soit biblique, frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu déverse son onction de plus en plus pour sauver son peuple. Voilà. Donc, l'onction sauve. Qui ne le savait pas? Voilà. Voilà. Donc, l'onction sauve. Ceux qui n'ont pas l'onction, ils vont dire non, mais suivez pas l'onction. Hein, donc, l'onction sauve. C'est la jalousie. Voilà, c'est la jalousie parce que l'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit. L'huile nous parle du Saint-Esprit. Or, Dieu est esprit. Donc, et l'onction aussi, nous dit 1 Jean chapitre 2, ça c'est pour votre information. Parce que là, voilà, donc, oui, on est calme, on veut pas. Non, ça coule, c'est une gloire à Dieu. Et nous sommes dans 1 Jean, hein, on veut être biblique, hein. Donc, parce que quand les langues sont transformées, eh ben, la parole coule, hein. Voilà, donc, ça sort du cœur, et parce que le cœur est rempli par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et rempli par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 20? 1 Jean. 1 Jean 1 2, Jean 20, 2, hein? Verset 20. Mais vous avez été oint par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Ok, verset 27. Verset 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements
qu'elle vous a donné. Mm-hmm. Alors, je voudrais poser une question, mon frère William, toi qui viens de lire ce passage. Selon ces passages-là, ces deux passages, que nous donne l'onction? Qu'est-ce que l'onction nous procure? L'onction nous enseigne ici. L'onction nous enseigne. Donc, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi? Elle nous donne quoi l'onction? La connaissance. La connaissance. Voilà. Vous connaissez toutes choses. D'accord. L'onction nous enseigne toutes choses. L'onction nous donne tout. Vous voyez que l'onction enseigne. Amen. Et Dieu dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Amen. Il est sans connaissance. Donc, vous voyez bien que s'il n'y a pas la connaissance, on est détruit. On meurt. Or, la connaissance vient de l'onction. Donc, la connaissance est salutaire. Connaître Dieu, c'est avoir la vie. Connaître qui est Dieu, c'est salutaire. La connaissance sur Dieu, la connaissance de Dieu, nous permet de connaître notre propre identité. Donc l'onction est salutaire. Amen. D'accord? Bonne démonstration. Vous voyez, c'est vraiment important de connaître ces choses-là parce que les enfants de Dieu ont besoin d'être enseignés. Et vous voyez, quand les langues sont purifiées, transformées, quand on s'exprime, eh ben, les gens sont convaincus. Ceux qui sont du Seigneur sont convaincus. Amen. Il n'y a pas besoin de déblatérer des choses à gauche à droite pour de trop insister. Les gens sont naturellement convaincus que c'est Dieu qui parle. Les véritables enfants de Dieu. Donc, et c'est beau de voir le travail que le Seigneur accomplit. Donc, c'est glorieux, c'est magnifique l'œuvre que le Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, 27, nous sommes dans la page 396. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et l'onction fera rompre le joug. Ah. Amen. Amen. L'onction fera rompre, n'est-ce pas, le joug. Brisera le joug. Donc, sans l'onction, le joug du christianisme. Amen. Hein? Le joug pastoral ne peut pas être brisé. Comment voulez-vous délivrer les chrétiens qui sont manipulés par leurs pasteurs? Comment voulez-vous délivrer ces jeunes sœurs dans nos assemblées que des pasteurs appellent tard pour parler de tout et de rien, pour parler du sexe, pour leur mettre la pression dans le but de les contrôler? Comment voulez-vous délivrer ces chrétiens qui sont, mes amis, manipulés, dépouillés, s'il n'y a pas l'onction véritable? D'accord? Donc, c'est pour cela, mes amis, quand nos lèvres sont transformées, quand nos langues sont transformées, c'est quoi l'onction? L'onction, mes amis, vient du Saint-Esprit, bien sûr, et elle vient du cœur de l'homme. Parce que Dieu vise la transformation du cœur. Quand un cœur est transformé, et quand il s'exprime, la parole sort avec autorité. Donc cette parole qui sort, c'est l'onction qui sort. Sachez que Dieu ne peut pas agir sans sa parole. D'accord? C'est pour ça que dans Genèse 1, à chaque fois il est dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. N'est-ce pas? Amar en hébreu. C'est-à-dire Dieu parle comme si les objets, comme si les choses existaient, comme si les choses avaient des oreilles pour pouvoir lui obéir. Comme si la terre avait des oreilles pour pouvoir lui obéir. Donc, Dieu parlait aux choses. C'est pour cela, quand l'onction est sur une personne, quand l'onction vient du cœur transformé, eh ben, on peut parler à la maladie au nom de Yeshua et la maladie va obéir. Amen. Voilà. Parce que, mes amis, Yeshua, on le réveille par les apôtres. Comme Yeshua, sa langue était pure. N'est-ce pas? Oui, on parle de la pureté. Amen. N'est-ce pas? Donc l'onction est pure. Et quand il s'est réveillé, il a parlé au vent.
Il n'a pas prié le Père. Il a parlé au vent. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction. Quand on a des problèmes, quand on a les langues transformées, les cœurs transformés, face aux problèmes, mes amis, on adore le Père au nom de Jésus-Christ. On adore Jésus-Christ notre Seigneur parce qu'il est Dieu. Maintenant, face aux problèmes de maladie, que des chrétiens arrêtent de vouloir toujours gémir, hein, de chercher des hommes pour qu'on leur impose les mains. Il faut qu'ils parlent à leurs problèmes. C'est tout. Il y a un démon qui se manifeste là. Vous n'allez pas adorer le Seigneur pour qu'il soit pas chassé. Seigneur, tu as dit qu'on chassera les démons. Oui, il a dit. Mais tu as reçu l'onction. Tu as le cœur transformé. Parle au problème. Voilà. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Parce que vous cherchez le frère Chora, mais qu'est-ce que le frère Chora dit, hein? Il parle seulement. Vous voyez? Il a dit qu'il va transformer les cœurs et les langues des nations. Pour que les adorateurs, Yeshua a dit quoi dans Jean 4? L'heure est venue. Hein? L'heure vient et elle est déjà venue. Attends, attends. Tu dis que l'heure vient. Donc, elle va venir, cette heure-là. Et tu dis qu'elle est déjà venue. Mais tu ne vois pas qu'il y a une contradiction? Non. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire, l'heure vient, donc l'esprit va descendre bientôt, dans acte 2. Mais elle est déjà venue cette heure-là parce que je suis là. D'accord? Alléluia. Donc, maintenant, comprenez, frère. Il dit, où les vrais adorateurs adorons le Père en... En esprit et en vérité. Donc quelqu'un dont le cœur, dont la langue est transformée, c'est une personne qui marche, qui parle selon l'esprit. Et il ne peut pas être, donc cet homme, cette femme ne peuvent pas être compris par les hommes. Non, même pas contrôlé. Parce que si ta langue est transformée, si Dieu dit dénonce Babylone, tu ne peux que dénoncer. Amen. Jérémie avait la langue transformée. Parfois, il ne voulait pas parler par peur de représailles. Mais il dit à Adam, mon cœur comme un feu qui est renfermé. Je ne peux pas le contenir. Je m'épuise à vouloir le contrôler. On ne peut pas contrôler le feu de Dieu. Et là, ta langue ne peut que se délier. Et là, tu vas parler. Et plus tu vas parler, plus tu auras d'ennemis. Plus tu auras d'ennemis, plus Dieu va se manifester. Voilà, frère de sang. Vous voyez, là nous sommes tous dans Sophonie. C'est le un seul verset qui nous fait balader ici et là. Vous voyez, c'est magnifique de voir comment Dieu peut nous enseigner, frères et sœurs. Et c'est terrible. Regardez quand Pierre a eu la langue transformée. Les disciples ont prié pour la résurrection de Tabitha. Ils n'ont pas réussi. Dieu dit, allez chercher Pierre. Quand Pierre est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Et là, il s'est mis à genoux. Il a parlé à la mort. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que Tabitha a fait? Ben, elle est revenue. C'est tout. Vous voyez, parce que Pierre avait la langue transformée. Et quand il se retrouve avec Jean devant la porte de la belle du temple, avec ce boiteux de naissance qui s'attendait à recevoir de quelque chose, qu'est-ce que Pierre a fait? Il dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis pas un marchand de miracles. Je ne suis pas un vendeur de CD, de livres que j'écris. Je ne suis pas un vendeur de DVD, de concerts. Il dit, ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il avait? Si tu veux amener la guérison, si tu veux vivre le réveil, il faut d'abord que tu réalises que tu as. Amen. Tu dois faire le bilan. Tu dois faire l'inventaire de ce que tu as. Amen. Hein? Mais nous sommes des économes. Il faut d'abord comprendre, connaître ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur a dit, on ne donne que ce que l'on a. Mais si tu n'as pas, si tu ne sais pas que tu as quelque chose, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas agir. Moi, je sais ce que j'ai. Ben oui, je sais ce que j'ai. Les gens vont dire, c'est l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais ce que j'ai reçu. Pierre dit, Paul dit quoi? Attendez, attendez. Ah, on aime la parole, on aime la parole, on aime la parole, mes amis. 1 Corinthiens 15. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Le verset 3. La page 1064. 1 Corinthiens 15, verset 3. Amen. Car avant toute chose,
je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu. Ah, on s'arrête là. Amen. Je vous ai donné ce que j'avais reçu. Mais comment voulez-vous donner si vous n'avez rien reçu? N'allez pas commencer les églises si vous n'avez pas reçu. Amen. Vous allez forcer. Vous allez toucher à la magie. Vous allez combattre ceux qui ont reçu. Parce que Dieu donne à qui il veut. Amen. Ben oui. Il a donné à l'un 10 talents, à un autre 5, à un autre 1. Si tu as reçu un talent, ne cherche pas à recevoir 10 talents. Non. Voyez. Donc, c'est terrible, mes amis, c'est terrible. L'évangile, là, voyez comment Dieu nous balade. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui nous balade. C'est magnifique. Un seul passage nous amène ici et là. C'est ça, la puissance de la parole de Dieu. Waouh! Paul dit, je vous ai donné ce que j'avais reçu. Paul ne pouvait pas donner, ne pouvait pas aller en mission s'il n'avait pas compris qu'il avait reçu quelque chose. Voyez? Donc, arrêtez de vous plaindre quand vous avez des problèmes de maladie ici et là. Arrêtez de chercher des pasteurs, même de nous chercher. Vous avez reçu ce message-là. C'est la parole. C'est la parole qui change vos langages. Quand une langue est changée, quand ton langage change, tu ne peux plus dire que je suis malade. On m'a fait croire que je suis malade, mais oh ma maladie, ce n'est pas ta maladie. La Bible dit qu'il a pris nos maladies. Toi, tu dis que ce n'est pas ta maladie. Il y a un problème. Oh, Seigneur, sauve-nous. Ouh, alléluia. Oh, alléluia. J'ai des problèmes. Tu n'as pas de problèmes. Tu as dit j'ai. Donc, tu reçois des problèmes. Le Seigneur a pris mes problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Il a dit clairement, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est tout. Il dit le lendemain, il dit quoi? Le lendemain prendra soin de lui-même. Il n'a pas dit Dieu va prendre soin du lendemain. Il dit c'est le lendemain. Posez-moi la question, pourquoi le lendemain? Parce que quand Dieu a créé le lendemain, il a dit au lendemain, voilà ce qu'il te faut pour mes enfants. Il a tout pourvu. Le lendemain doit nous rendre ce que Dieu lui a donné. Amen. Tout est déjà inscrit. Ça, c'est le repos aussi. Hein. Donc, c'est le repos. Il faut dire au lendemain, tu as des choses qui m'appartiennent. Amen. C'est tout. Hein? Parce que mon papa a déjà tout à... Dieu est le plus grand économe. Dieu, c'est vrai, quand il a multiplié du pain, il a dit aux apôtres, il faut tout compter. Ils ont compté 12 paniers. Il faut tout compter pour que rien ne se perde. Pourquoi? Parce qu'il y a le lendemain. Oh Seigneur, sauve-nous. Quand les langues sont transformées, oh frère, vous savez, il dit je transformerai les langues des nations. Mes amis, il y a Israël et Dieu a pensé aussi aux nations. Amen. Nous autres là, qui pouvait penser à nous? Personne. Ah ben personne, mais Dieu a pensé à nous. Amen. C'est pour cela, mes amis, les Arabes sont touchés. Il y a des Chinois qui sont touchés. Il y a des Mongols qui sont touchés. Il y a de tout. C'est ça le royaume. C'est un filet qui est jeté et tout le monde est attrapé. Même ceux qui ne savent pas parler, même ceux qui bèglent, Dieu les a comptés aussi. Amen. Je vous dis. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Même si vous ne savez pas parler le français, ce n'est pas un problème. Parlez le Kikongo, parlez le Chiluba, parlez, mes amis, le Bambara, parlez, mes amis, le Swahili, parlez l'anglais, parlez dans votre langue, priez Dieu dans votre langue comme la sœur. Il faut être tranquille. L'église est née avec 120 langues. Voyez, 120 langues, on a dit sur le désordre, ce n'est pas du désordre. 120 langues, on peut chanter dans toutes les langues. Ce n'est pas un problème, même si on est en France. C'est ça la richesse du royaume de Dieu. Parce que nos langues sont transformées. Voyez, frères et sœurs, oh que Dieu nous aide. L'onction. Une langue transformée est une langue qui manifeste l'onction. Et les démons ont peur de l'onction. Une langue qui est transformée, je pourrais dire que c'est une langue qui est devenue dangereuse. Mais bien attention, parce que quand tu proclames des choses, c'est terrible, il faut faire attention. Je te dis. Faut faire attention parce que le Seigneur a dit quoi? Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans... Ben voilà, quand Pierre arrive devant Bar-Jésus, Paul, devant Bar-Jésus, il dit quoi? Tu ne verras plus le soleil. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est son père, notre père qui a créé le soleil. Il dit à ce magicien, quoi? Toi, tu es fils du diable. Ce n'est pas le diable qui a créé le soleil. Tu ne verras plus le soleil que mon père a créé. C'est ce merveilleux-là. Je ferme tes yeux. Et le monsieur commence à tâtonner. C'est...
C'est pour cela que quand Dieu dit appeler les sorciers, ils ne peuvent que se lever. Amen. Ils n'ont pas le choix. Ah, quand Dieu dit c'est le temps des pasteurs qui sont de Dieu, ils ne peuvent que répondre à l'appel. Amen. Voilà pourquoi demain il y a la grande rencontre. Amen. Ils ne peuvent que répondre à l'appel, non l'appel de Chora, mais l'appel divin. Amen. Oh! Alléluia! Quelque chose là. C'est la convocation divine. Dieu convoque ses armées afin de les équiper. Hein? Mes amis, demain il y aura l'équipement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai reçu. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Il y a l'équipement, mes amis. Parce que quand les élus vont partir là. Comme Samson, ils vont prendre des renards, deux par deux, ils vont les attacher queue par queue. Ils vont mettre au milieu des flambeaux, ils vont les lâcher dans la forêt. La forêt, mes amis, c'est Babylone. Et là, c'est les dégâts. Les serpents vont quitter la forêt, mes amis. Ça va quelque chose, mes amis. C'est ça le message. On veut la parole, on veut la parole. On veut la parole. Vous savez, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Dans ses problèmes, il savait. Il faut le savoir. Je sais. C'est pour cela qu'il faut arrêter de dire, non, j'ai le sida, j'ai le cancer, tout ça là. Non, les médecins disent qu'il y a le cancer qui vient. Non, frère, il faut arrêter. Au nom de Yeshua, que tous les cancers qui peuvent vous frapper, là, nous frapper, là, soient brisés, consumés. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous déclarons la parole, mes amis. Là. Oh oui. Au nom de Yeshua. Oh alléluia. Hépatite. Oh alléluia. Recaché. Oh alléluia. Le feu est là. Hein? Le feu est là. Que toute l'étoile démoniaque soit consumée par le feu de la parole de Dieu. Oh alléluia. Que le vaudou soit brisé au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu d'Israël. Alléluia. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assis trembla. Parce qu'ils avaient des langues transformées. Ils amènent le tremblement des terres spirituelles. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens, quand ils parlent, le ciel, mes amis, est content. La terre tremble. Une seule parole, une seule prière. Quand tu pries chez toi, toute ta cité est en ébullition. Amen. Toute ta ville tremble. Il y a des sorciers qui dévient la route. Hein? Qui changent de trajectoire. Alléluia. Je vous dis. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes. Attends. Dieu est descendu. Hein? Dieu lui-même est descendu. C'est pas un ange. C'est Adonai qui s'est levé de son trône, qui a dit, je descends. Je descends. Il est descendu. Il est descendu. Et quand on accusait la femme qui était attrapée en plein flagrant délit d'adultère, Yeshua a fait quoi? Il écrivait sur terre. Ça veut dire quoi? Ce qui est écrit est écrit. Amen. Mes amis, le même doigt qui a écrit sur le table de Moïse, là, les deux tables de loi, le doigt de Dieu. Les magiciens de Pharaon ont dit, ça c'est le doigt de Dieu, au quatrième miracle. Amen. Hein? C'est le même doigt qui est descendu et qui écrivait, plus de condamnation, j'efface l'acte dont les ordonnances condamnaient cette femme. Amen. J'efface ça. C'est écrit. C'est acté. Tout est accompli. Ouh, alléluia. C'est pourquoi vos enfants ne mourront pas sans avoir prêché l'évangile. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Les langues transformées, quand on chante, Dieu descend. Amen. Quand on loue Dieu, il y a la présence du Seigneur. Parce que les langues sont transformées. Alléluia. Et quand le nom de Yeshua est prononcé par une langue pure. Aïe, 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 aïe. Les sept fils de Séva dans Actes 19, ils ont prononcé le nom de Jésus-Christ. Les possédés n'étaient pas délivrés. Cet homme possédé est sauté sur eux. Il les a massacrés. Ils sont sauvés de là complètement nus. Pourquoi? Pourtant, ils avaient invoqué le nom de Jésus. Leur langue n'était pas transformée. Leur langue n'était pas pure. Mais les chrétiens, dont les langues sont transformées, sont dangereux. Quand ils prononcent seulement le nom de Jésus-Christ, les pharisiens leur disent, nous vous défendons désormais de prononcer ce nom-là. Parce qu'il y a des dégâts. Jesus Christ.
Ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Amen. Ils vont s'unir contre vous, ils ne pourront pas vous détruire. Amen. Ils vont chercher des failles chez vous, comme avec Daniel. Mmh. Oh, mes amis, on le prend, on le jette dans la fosse au lion. Mmh. Daniel a parlé au lion. Mmh. Vous savez, c'était quand Daniel parlait. Vous savez, je vais vous dire une chose. Sa langue était pure, transformée. Quand il a parlé, Daniel, c'était le lion de la tribu de Juda qui a parlé. Et les lions qui étaient là ont reconnu leur maître. Ils se sont tus. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente de feu. Ils ont parlé. Le feu a reconnu qu'en eux, il y a le feu dévorant. Mes amis. Frères, les serpents qui vous attaquent, ils ont été avalés par le serpent de Moïse. Amen. Le serpent des reins. Mmh. La croix. Alléluia. Je vous dis une chose. Le premier serpent qui a séduit Ève ne savait pas qu'il y avait un serpent des reins réservé quelque part. Mmh. Il fallait aller dans le désert, dans les épreuves. Mmh. C'est là que l'on rencontre le serpent des reins. Mmh. Mes amis, ils ne peuvent à rien. Cette œuvre-là, ce réveil, va toucher des nations encore. Amen, amen, amen. Je prophétise ça, je déclare ça. Alléluia. Des Chinois seront visités. Des Indiens seront visités. Des Pakistanais seront visités. Des pasteurs que Dieu a appelés vont se lever pour prêcher le message du temps. Le retour du Mashiach. Il y aura même des gens, des hommes et des femmes qui vont se lever, ils vont parler, des présidents vont se mettre à genoux. Amen. Je vous dis. Des députés vont commencer à adorer le Seigneur. Des sénateurs vont adorer le Seigneur. Parce que tu vas parler. Élie, mes amis, pour finir. Élie va devant Akab. Il dit, je me tiens devant Yahweh. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Et la parole de Dieu est devenue la parole d'Élie. Paul dit, mon évangile, ma parole ne repose pas. Paul prêchait la parole de Dieu. Mais il dit, c'est ma parole. C'est-à-dire, il arrive à un moment donné où le chrétien qui est tellement rempli, le chrétien dont la langue est transformée, il va dire, cette parole, c'est ma parole. C'est à cause de la pureté du Seigneur dans sa vie. Quand il parle, c'est la parole de Dieu. Quand il parle, ce n'est plus lui. C'est Dieu qui descend, qui parle. C'est ma parole. Oh, Jesus Christ. C'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance, l'autorité, l'autorité gouvernementale. Amen. N'oubliez pas que nous sommes membres d'un gouvernement. Amen. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume le plus puissant. Amen. Nous sommes établis comme des rois. Amen. Nous sommes établis comme des prêtres. Et les prêtres, c'est des gens qui parlent. Amen. C'est des gens qui enseignent. Amen. C'est des gens qui ont la connaissance, qui ont la loi de Dieu, qui ont l'alliance de Dieu. Amen. Et des rois qui ont des bâtons de commandement, des sceptres, qui ont, mes amis, de l'autorité pour gouverner. Amen. Qui ont, mes amis, des tenues, qui ont des... Alléluia. Nous avons, mes amis, des robes royales, des manteaux royaux. Il ne faut jamais l'oublier. Une langue transformée est une langue qui proclame la pureté. C'est des hommes et des femmes, quand ils se mettent à parler seulement, Dieu dit, ça c'est mes enfants. Amen. Et dans chaque génération, il y a des langues que Dieu suscite. Amen. Il disait à Esaïe, crie à plein gosier. Il y a des crieurs, des gens qui crient. Ils n'ont pas le choix. Ils ont été mandatés par Dieu pour crier. Ils ont été oints par Dieu pour parler. Même quand ils sont seuls, ils parlent, ils crient, ils chantent, ils adorent. Ils chantent, l'onction vient sur eux. Même dans la rue, même pendant qu'ils s'apprêtent à manger. Parfois Dieu leur dit, arrêtez de manger, allez prier. Ce sont des intercesseurs, des sentinelles, mes amis, des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes de réveil, des femmes de réveil. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Seigneur, nous bénissons l'Europe, nous bénissons la France, nous bénissons les autorités, nous prions pour des pasteurs que tu as appelés, fortifie-les Seigneur, pour des dirigeants, Seigneur qui se lèvent pour toi, au nom de Yeshua, nous fermons les langues de nos détracteurs, qu'ils soient confondus ces hommes et ces femmes, au nom de Yeshua, et ta parole se fera, Père au nom de Yeshua.
Pour l'amour de Sion, Dieu disait, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, Dieu disait, je ne me tairai pas. Parce qu'il t'aime, il va parler. Et Dieu dit, je parlerai, qui ne prophétiserait. Quand Dieu parle, il y a des prophètes. Quand Dieu parle, il y a des prophétesses. Quand Dieu parle, il y a des messagers. Quand Dieu parle, il y a des messagères. Quand Dieu parle, mes amis, il y a des adorateurs. Oh oui. Oh oui, c'est le temps de l'adoration car Yeshua revient. Soyez fortifiés, encouragés. Nous vous donnons rendez-vous demain toute la journée sur TV de vie. Mes amis, une rencontre particulière. Ça va vraiment... Oui, mon frère William. J'ai reçu quelque chose pour tous ceux qui veulent à tout prix avoir ce que tu as reçu. Mm-hmm. Tous ceux qui ne veulent pas être à leur place. Voici le verset que le Seigneur me donne dans 1 Samuel 28, le verset 7. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai vers elle, et je la consulterai. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a une femme en dehors qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez cette femme, et Saül lui dit, « Je te prie, évoque les morts, et fais monter vers moi celui que je te dirai. » Tout simplement parce qu'ils veulent à tout prix avoir, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent à tout prix avoir ce que tu as reçu, ce que le Seigneur ne leur a pas donné, à un moment donné, ils iront chercher une femme qui évoque les morts pour pratiquer, pour avoir une autre forme d'onction. Amen. Que Dieu nous garde. Voilà mes amis, en tout cas soyez fortifiés, soyez encouragés. C'était juste une exhortation pour nous encourager. Dieu est bon. Alléluia. Donc à demain. Demain, on est là toute la journée. Donc ce week-end, le week-end prochain, donc dimanche prochain, nous serons à Nantes. Merci pour les frères et sœurs de la région donc nantaise qui sont mobilisés, qui prient pour ce programme, qui intercèdent pour toutes ces âmes que le Seigneur va attirer. Donc il y aura aussi à Nantes la distribution de la BGC. Donc ça, pas de problème. On en envoie un peu ici et là, aux Antilles, tout ça. Merci en tout cas, mes amis, pour vos prières. Vous savez que nous sommes en pleine bataille, en plein combat pour la défense de la sainte doctrine. Et nous avons besoin de vos soutiens, dans la prière, tout ça. Et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Au nom de Yeshua. Amen. Au revoir.